I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, hello, in a one-horse open sleigh. Today, o'er the fields we go, dimanche, et même pas à la télévision. La télévision? Bah, vous ne perdez rien. Ça fait mal aux yeux. C'est le déjeuner de monsieur que vous avez apporté? Non, c'est celui de la petite. Vous avez averti monsieur que la voiture vient d'arriver? Madame est allée chercher Susan à la gare. Monsieur m'a demandé de ne pas le réveiller. Ne pas le réveiller quand sa fille arrive pour les vacances de Noël? Apportez-lui son déjeuner. Avertissez aussi mamie et mademoiselle Augustine. Oh, rassurez-vous. Mademoiselle Augustine est certainement déjà au courant. Je ne serais pas la peine qu'elle écoute aux portes. Ne soyez pas aussi insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Et moi, je n'aime pas les leçons de morale. Parce que la morale... Cette fille-là, on n'en fera jamais rien. J'aime mieux Gisèle. Enfin... Elle est déjà là, ma bonne Chanel? Oui, madame, votre petite fille arrive. Regardez vos sapins. J'ai commencé à le décorer. Ça me fait plaisir, n'est-ce pas? Ah oui, vous êtes gentille. Pourquoi moi? Mais tout le monde est gentil avec vous ici. Oui, bien sûr. Je suis heureuse que Marcel m'ait accueillie avec ma fille Augustine. Mais vous savez, nous ne sommes quand même pas chez nous. Oh la voilà! Les chats l'ont venu, ils n'ont pas aboyé. C'est un record pour ces gueux-là. Vu qu'il se détend aussi pour toi, il est averti, madame Chanel.
Il aurait donné l'ordre qu'on ne le réveille pas. Comment? Il n'est pas levé à 11h? Il a dû travailler dans sa chambre hier, très tard. Oui, il doit être fatigué. Il se tue à la tâche. Il se tue à la tâche? Il a dû lire toute la nuit, sans doute. Comment, sans doute? Ils font chambre à part? Et cet Angleterre, comment est-ce? Very interesting with many people. Quoi? C'est de l'anglais. Oh, moi l'anglais, tout ce que je sais dire c'est goodbye, God save the Queen et kiss me. Comment kiss me? T'as déjà dit kiss me en anglais? Bien sûr, comme tout le monde, à la Libération. C'était pour avoir du chewing-gum. Mais je raconte ma vie et je vous dis le petit déjeuner. Comme c'est bon de se retrouver chez soi, ma chère vieille maison. Ta chère vieille maison. Un grand coup de peinture ne lui ferait pas de mal. Mais elle plaît à ton père ainsi, alors. Voici Louise, notre nouvelle femme de chambre. Bonjour Louise. Bonjour mademoiselle. J'espère que mademoiselle a fait un bon voyage. Très bon. Malgré un temps épouvantable en traversant la forêt tout à l'heure. Le vent faisait trembler, les arbres, la neige tombait. Quelle solitude. On se serait cru en plein ciel. En plein ciel? En plein désert, tu veux dire? Il faut faire des kilomètres pour voir un visage. Sans le téléphone et la voiture, avec ce mur qui entoure la propriété, que serions-nous? Des chartreux. Oui. Enfin. Ton père tient plus à cette maison qu'à notre avis. Ça le repose de l'usine, paraît-il. Il oublie qu'il est parti toute la journée et que nous, ici, nous mourons d'ennui. Enfin, c'est comme ça. Puis-je vous débarrasser, mademoiselle? Quand devrais-je réveiller monsieur? Dans quelques minutes. Ah, si j'allais moi tout de suite. Non, laisse-le se reposer encore un peu. Il a demandé à ce qu'on ne le réveille pas. Merci, Louise. Elle est bien, cette fille? Très bien. J'en suis ravie. Oui, oui, très bien. Et accepter de s'enfermer ici, c'est une chance pour nous. Oh oui, une chance. C'est toujours aussi confortable. Oh, ne fais pas de gymnastique comme ta sœur. Oh, si tu savais comme Catherine est devenue turbulente. Mais c'est de son âge, maman. Catherine, lève-toi. Ah, c'est toi. Est-ce que Catherine se lève? Mais ça, je sais. Bonjour, tante Christine, comment vas-tu? Oh, toujours pareil, mon cœur, mes reins. Puis le froid réveille mes rhumatismes. Enfin. Alors, déjà de retour? Pourquoi dis-tu déjà? On t'a renvoyé du collège. Bah non, j'ai de très bonnes notes. Oui, je sais. Ta mère nous a montré des carnets scolaires seulement incarnés. Ça se maquille. Pourquoi tu dis ça? Ça n'est pas gentil. Ma nièce arrive et je ne peux pas lui demander si elle s'est bien conduite. Mais c'est pour ça que je te dis, tout va bien. En voilà une au moins contente de son sort. C'est pour moi que tu dis ça. Oh, je dis que ma fille est heureuse, voilà tout. C'est l'essentiel. Eh bah, si c'est l'essentiel. Tante Augustine, tu as des ennuis? Non, mais elles sont crêpes. Pourquoi je manquerai? Maman, pourquoi je manquerai? Mais petite, vous en prie, ne recommencez pas. Je suis heureuse, moi. Voilà du nouveau. Augustine, nous ne sommes pas à plaindre. Fabienne, Gabi nous a recueillis ici gentiment, et grâce à elle... Pas grâce à elle. Grâce à ton père, Suzon, qui nous estime à notre juste valeur, qui sait reconnaître une femme âgée et infirme comme ta grand-mère, et une femme droite et vertueuse comme moi, grâce à Marcel. Grâce à eux deux, bien sûr. Tante Augustine, ne sois pas triste. Nous t'aimons toutes ici, sans exception. Ne nous fais pas de peine. Pardonne-moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Pardon, Gaël, chérie. Grâce à toi, je suis heureuse et je mange un enfant. Voilà le déjeuner. Le café de Chanel, je sens de loin. Oh, des brioches. J'ai le droit qu'il y a du pain grillé, moi. Comme tout le monde, mademoiselle Augustine. Ces brioches sont mon cadeau personnel à ma Suzon retrouvée. Tante, si ça te fait plaisir. Oui, merci. J'adore les brioches. Mais j'y pense. Il y a du chocolat dans ma chambre. Je vais aller le chercher. Les brioches. C'est toujours bien les chocolats. Votre indulgence. Tu me régales plus. Ta mère est très gentille de tolérer ces petites manies sans se fâcher. Tu appelles ça des manies? Ce sont presque des insolences. Elles me provoquent tout le temps, maman. Et puisque ton père la tolère. Papa est un homme adorable. Ah oui, toujours gai, toujours de bonne humeur. Pourtant, ses affaires ne vont pas comme il voudrait. Hein? Tu sembles mieux renseignée que moi sur les soucis de Marcel, maman. J'ignore même s'il en a. Enfin, par hasard, j'ai
Oh, c'est très bien comme ça. Jamais de problème. Il a les siens, on ne s'en parle jamais et tout est pour le mieux. Eh bien, je l'ai consulté dernièrement pour la vente de mes titres et incidemment, il m'a dit quelques mots. Et tu les as vendus, tes titres ? Non, il m'a conseillé d'attendre. Garde-les, tu as raison. On ne sait jamais. Catherine ! Oui ? Voyons, lève-toi, ta sœur est arrivée ! Oh. Elle est sage, Catherine ? Oui, très. Elle travaille bien à l'école ? Non, ça peut aller. Elle a beaucoup grandi. Elle va bien et c'est principal. Très exubérante, comme la nouvelle génération. Tu la voudrais neurasthénique, comme Augustine ? Elle a 16 ans. Salut les mères, salut sister. Attention aux tailles. Restez donc tranquille. Tu m'apportes un cadeau pour Noël ? Oui, des chocolats. Eh bien, vrai. Tu ne t'es pas creusé la cervelle. Je croyais qu'à 15 ans, on aimait le chocolat. 15 ans ? Et le pouce ? J'en aurai 16 en février. Tu m'as l'air en pleine forme. Ça gaze, ça carbure, ça fonctionne. En un mot, ça boum. Dis donc, l'Angleterre t'a drôlement dessalé. Tu devrais aller frapper à la porte de papa. Il n'est pas encore réveillé ? Quel flemmard ! On va le virer ? Le virer ? Mais Catherine ! Enfin, du moment que ça fait rire ta mère. Dans cette maison, le respect n'étouffe personne. Oh, mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Et surtout, je l'admire. Il s'habille comme à Londres. Il est gai. Il conduit comme un champion. Il brasse des fortunes comme un chercheur d'or. Nous avons de la chance, Susan. Notre père, c'est un héros de roman. Tu sais qu'il m'a promis de m'apprendre à conduire ? On s'entend bien tous les deux. On est deux complices. Et puis, c'est le seul homme de la maison. Tiens, voilà la plus belle. Ah, je t'en prie. Je suis très mécontente. À quel sujet, baronne ? Tu as laissé ta lumière allumée toute la nuit. Et à travers la porte vitrée, je n'ai pas réussi à dormir. Tu lisais encore, sans doute, des livres abominables. Quels livres abominables ? Tante Augustine appelle livres abominables des romans policiers, d'espionnage, d'aventure. Ce n'est guère de ton âge. Oui. Oh, mon âge ! Lire ne fait de tort à personne, mais aller 5 fois dans la salle de bain la nuit, ça réveille les voisins. C'est moi qui y suis allée, parfaitement. Oh, j'étais malade. Je n'arrivais pas à dormir, je suis allée boire. Excuse-moi ! Ce n'est pas grave. Puis-je aller réveiller monsieur ? Je vous en prie. Je t'achèterai un abat-jour pour ta lampe, Catherine. Comme ça, je pourrai dormir. Merci. Tu me choisirais le petit chaperon rouge ou la belle au bois dormant ? Tu me donneras l'argent et j'irai l'acheter moi-même. Comme tu voudras. Madame, monsieur ne répond pas. Entrez, Louise. Bien, madame. Il y a de la chance de pouvoir dormir. Avec tout bruit que nous autres. Moi, dès que j'entends une pendule sonner à l'autre bout de la maison, je sursaute. Ah, les hommes. Ils ont d'autres nerfs que nous. Ah ! Oh. Quelle déculée d'engager une fille pareille ! On se demande où elle a appris son métier ! Madame. Madame. Qu'est-il ? Madame, c'est affreux. Monsieur. Monsieur. Monsieur est mort sur son lit. Oh. À cause de notre sang. Le sang. Vous n'êtes pas ? Qu'est-ce que vous dites ? Quelque chose que quelqu'un aurait pu faire disparaître.
As-tu le courage, Susan? Oui, maman. Nous devons voir. De la nuit. Et alors? Méchants comme ils sont, ils auraient aboyé si... Si quoi? Vous voulez dire si un étranger était rentré dans la propriété? Oui, c'est ça. Mais si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire quoi? D'argent, un homme d'action, très intelligent, il avait toujours mille et un tour dans son sac pour réussir. Personnellement, il ne m'a jamais dit que ça n'allait pas bien. Oh, et puis, il est admirablement secondé par Monsieur Farnoux. Monsieur Farnoux? Oui, son nouvel associé à l'usine. Ah oui, et ce monsieur est-il déjà venu ici? Non. Si, une fois ou deux peut-être. Ah, mais nous ne le fréquentons absolument pas. Enfin, très peu. Je me souviens que les chiens, lorsqu'il est venu chercher monsieur, l'ont à moitié renversé. Parce que monsieur Farnoux a un chien chez lui, que les nôtres l'avaient senti. Donc il faut oublier l'idée que ce monsieur... Mais bien sûr, c'est invraisemblable. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait voulu du mal à papa? Personne. Bon, c'est vite dit, hein. Quand il allait à Paris, on ne sait pas au juste qui il fréquentait. Mais que vas-tu imaginer? Un étranger,
à 8 heures ici, dans notre salon, coupant le téléphone, et personne ne le voit. Pourquoi pas? Mais Gabi, te rends-tu compte de ce que ça signifie pour nous tous ici? Oh. Qui hérite des biens de papa? Moi. Oh. Charmant. Oh. Enfin, je veux dire... Évidemment. Dans ce cas, on vend l'usine et on partage. Entre les enfants et la femme. Oh. La femme a la moitié et... Oh, les notaires savent tout ça! Moi, je n'y comprends rien. Oui. On nous donne à chacun de l'argent liquide et... Enfin! Catherine, maintenant, c'est un mouchoir! Il faudra prévenir la sœur de papa. La sœur de ton père? Voilà une idée, une femme pareille. Oui. Tu m'as dit qu'elle était venue s'installer dans la maison près du village. Pourquoi? Dans l'espoir, sans doute, de renouer avec Marcel. Après la vie de débauche qu'elle a menée à Paris, elle a essayé de trouver refuge auprès de son frère riche. Ah, je n'ai pas voulu influencer ton père, le laissant libre de recevoir cette Pierrette. Qui, après tout, est sa sœur. Mais il a très bien compris que ça ne serait pas convenable et ne nous l'a jamais présentée. Ah, cette fille n'a jamais, Dieu merci, mis les pieds dans cette maison. Et papa a-t-il revu sa sœur en ville? Sûrement pas. Et comment est-elle? Est-ce que je sais, je ne l'ai jamais vue. Moi, on me l'a montrée de loin. C'est une belle femme. Assez étrange. De quoi vit-elle? J'aimerais bien lui parler. Tu lui parleras où tu voudras, mais pas dans cette maison. Moi, j'irai la voir. Faire la police. C'est son rôle de poser des questions, pas le tien. Louise, mon manteau! Je suis absente depuis un an. Je vois tout avec des yeux neufs. C'est incroyable comme en un an, le visage change. Tu trouves que j'ai vieilli? Non, maman, t'es toujours aussi belle. Cette catastrophe va bien se charger de me donner mon âge. Marcel, nous comprenions. Nous étions tendrement unis. Au point de faire chambre à part. Marcel rentrait tard parfois. Il travaillait souvent la nuit et m'avait demandé d'occuper provisoirement la chambre d'amis. As-tu quelque chose à ajouter? Pas pour l'instant. Oui. Oh, petite, calmez-vous. Il ne faut pas rester sans aide. Pars avec la voiture, Gabi. Dépêche-toi. Oui, oui. Madame, on ne peut pas laisser ce pauvre monsieur tout seul. Si madame le permet, je vais rester avec lui. Et si l'assassin est encore là? Non, ne fais pas de remords, ma petite fille. Il ne nous a pas attendus. Il s'est sauvé. Oui, par la fenêtre de la chambre. Il peut sauter dans le jardin. Mais non, il est passé par la porte, comme il est venu. L'assassin est plus fort qu'on ne le croit. Plus proche, plus... Que voulez-vous dire? Je me comprends. La clé n'est pas à la serrure? Qui a pris la clé? C'est vous, madame? Mais non! Enfin, qui a la clé? Augustine, tu as la clé? Non, je n'ai pas la clé. C'est Suzanne qui l'a. Mais non. Enfin, qui a la clé? C'est invraisemblable. Qui a pu la prendre? C'est vous, madame. Moi? Je me suis évanouie. Ah, moi, je connais Gabi, hein? Bah, moi aussi. Et d'ailleurs, nous sommes toutes passées dans cette porte tout à l'heure. Bah, moi, je n'ai pas bougé. Oh, mais c'est une plaisanterie! On l'a mise dans mon tricot! Oh, non, mais je... Oh. N'approfondis son pas. Madame Chanel, j'ai une parfaite confiance en vous. Vous êtes peut-être la seule dans cette maison à qui je vais donner la clé sans arrière-pensée. Eh ben, c'est agréable pour les pauvres. Madame Chanel, puisque vous êtes la plus courageuse, voici la clé. Merci, madame. Tu aurais pu nous consulter? Non, je fais ce que je crois être mon devoir. Ton devoir? Et ne laissez entrer personne, Madame Chanel. Ah non, si Madame Chanel entre, nous devons tout entrer. Oui, oui, c'est évident. Ou personne, ou tout le monde. Il ne faut toucher à rien. À cause des empreintes. Oui. Voulez-vous insinuer, mesdames, que j'ai demandé la clé dans ce but? Très bien. Dans ce cas-là... Madame Chanel, ne soyez pas susceptible. Je n'ai jamais été susceptible. C'est pour ça que je sers depuis 15 ans dans cette maison. On peut me dire ce qu'on veut? Tout m'est égal. Je suis ici pour gagner mon temps. C'est tout. D'ailleurs, je préfère ne pas y être allée. Je peux bien vous le dire, j'avais peur.
homme qui rôde peut-être autour de nous. Un homme? Pourquoi un homme? Bon, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais une femme? Oh, c'est honteux! Vous avez l'air de nous accuser! Quand on a la conscience tranquille. Tu me détestes, hein, n'est-ce pas? Ah non, tu m'es indifférent. Mais vous l'entendez? Augustine, ma chérie, mais tais-toi! Oh, garde, excuse-la! Évidemment, ta chouchoute, tu la couves. Mais oui, donne raison à Gade. Elle est riche à présent, très riche. Et elle va nous mettre dehors. Alors tu as raison, maman. Fais ta cour, sauf ton beefsteak. Vous n'osez rien lui dire, parce que vous êtes toutes de l'âge. Mais moi, je dirais des choses à la police. Oh, des choses que je sais. Quelles choses? C'est mon affaire. On ne calomnie pas quelqu'un sans preuve, dis-toi. Oui, oui, c'est la raison. Faites attention. Mais c'est une coalition. Ta mère m'attaque de front. Tu préfères toi attaquer de dos? Je suis malheureuse. On me dit que je suis une idiote. Laissez pour compte. Un fruit sec. Mais qu'est-ce que j'ai comme consolation, hein? Dites-moi. Bah dites-moi. Je n'ai ni l'âge ni le physique pour faire la vie. Oh, ça. Ni la mentalité. Ne pleurez pas. Vous avez la poésie. La poésie? Oui. Souvent, je vous vois le soir arpenter le parc en récitant des vers. Parole? Il ne fallait pas y prendre garde, Louise. Oh, il n'y a pas tant de distraction que ça dans ce coin perdu. Mademoiselle Augustine, seule, la nuit, en train de déclamer. C'est ma télévision à moi. Calme-toi! Et veux-tu boire quelque chose pour te détendre? Je déteste boire quand je ne suis pas à table! Tiens, je croyais que tu t'étais levé 5 fois cette nuit pour boire. Mais au lit, c'est différent. Je suis une grande malade, je suis cardiaque. Mais va prendre tes cachets pour te calmer. Oui, mes cachets. Eh ben, j'allais prendre toute la boîte. Comme ça, vous serez débarrassé de moi. Ah! Oh, mais excusez-la. Augustine, ma pauvre petite. Elle marche, elle marche, marche. Maman, qu'est-ce que ça veut dire tes jambes? Oh, bah ben, ça va, ça va. Elle marche tout, mais faut croire. C'était bien la peine de nous faire acheter cette canne. Tout est organisé entre elle et son Augustine, je suis écœurée. Que faire, madame? Je pars. Louise, mon manteau, je vous prie, ça fait 3 fois que je vous le demande. Je vais mettre une bûche. Épouvantable. Maman? Parle-moi de papa. De ce qu'il a fait depuis mon départ, depuis que vous avez reçu mamie et tante Augustine. Ton père, c'est la bonté même. Tu le connaissais aussi bien que moi. Mieux sans doute. Quand tu lui racontais tout avant que je le sache. Et mamie et tante Augustine s'entendaient bien avec lui? Je l'espère, avec ce qu'elle mange, qu'elles aient au moins la reconnaissance du ventre. Bon, elles se sont parfois disputées avec lui, mais ce n'était pas grave. Disputées à propos de quoi? Des bêtises. Augustine fait un drame de rien, et mamie dort avec des titres sous son oreiller. Grand-mère a des titres cachés sous son oreiller? Oui, qu'elle garde comme un chien son os. Je lui ai 10 000 fois de les donner à Marcel, pour qu'il les mette dans ses affaires. Bien normal. Mais elle les couve. Et ces titres? Ils auraient été utiles à papa? Oh oui, oh, il y a 15 jours, une échéance à laquelle il devait faire face. Ses affaires allaient mal? Ma chérie, une échéance, c'est une échéance. Ça ne t'aurait pas dérangé que mamie dispose de cet argent? Car tu as ta part dessus. Justement, j'ai donné ma part à Marcel après l'avoir littéralement arraché des mains de grand-mère. Augustine s'en est mêlée naturellement et la bataille a repris quand j'ai essayé. Mais pourquoi tu me donnes autant de détails? C'est grave? Non, mais tu sais qu'elles sont fâchées. Bah non, je le sais pas, tu viens de me le dire. Bref, ce n'est rien du tout. Mamie et Augustine sont écartelées entre la reconnaissance qu'elles nous doivent et leur avarice. Que veux-tu? Elles n'ont pas rencontré, elles, un mari riche. Est-ce ma faute? Et dire que j'ai tout fait pour que Marcel les accepte ici. Ton père ne pouvait pas les voir. Ton père a toujours aimé. La jeunesse. Louise, depuis quand travaillez-vous ici exactement? Pourquoi vous me demandez ça? Louise est là depuis octobre. J'ai de bons certificats. J'ai travaillé 2 ans chez un notaire qui s'est retiré. Vous pouvez vérifier. C'était pas mon rôle. Louise, êtes-vous certaine du silence des chiens? Certaine. J'ai mal dormi cette nuit. J'avais un pressentiment hier soir. Monsieur avait mauvaise mine quand je lui ai porté sa tisane. Il vous a demandé une tisane? Oui, vers minuit.
À quelle heure? Minuit, c'était son habitude. Mais non, pourquoi la tisane? Il travaillait, il a dû avoir soif ou mal à l'estomac. Il a vu la lumière encore allumée dans la cuisine et il m'a sonné. Je suis allée le voir, il m'a demandé le tilleul. Je suis partie le faire et lui a ramené. Vous restez longtemps dans la chambre de mon père? Non, je suis partie tout de suite. Dis donc, comment se fait-il que je n'ai pas vu le plateau de la tisane dans la chambre tout à l'heure? Je l'ai remporté avec moi hier soir. Pourquoi venez-vous me dire que vous étiez repartie aussitôt? Monsieur a lu très vite. Voilà tout. Ah non, maman, vraiment dégagez! Je suis une bonne fille, donnez-moi! Augustine, arrête de faire enfant! Tamie, il y a une seconde, je n'arrive pas à gagner Augustine, elle va m'aller toute la boîte de cachet! C'est du chantage, c'est sûr! La chouchoute! Elle habite le pavillon de chasse au fond du parc. Pour sa liberté, dit-elle. Je sais. C'est une bonne nounou pleine de vieilles habitudes. C'est son droit. Après la journée de travail, on est libre de faire ce qu'on veut. Et puis, ça n'a jamais fait de mal à personne de jouer aux cartes. Ah, Madame Chanel joue aux cartes maintenant? Mademoiselle ne le savait pas? Oh zut, j'ai fait une gaffe. Pas du tout, je sais très bien que Madame Chanel aime jouer aux cartes. Mais avec qui joue-t-elle? Avec quelqu'un de la maison? Écoutez, c'est pas mon genre de moucharder. Mais dites-nous avec qui elle joue, et nous ne le dirons à personne. Elle joue avec... Oh, et puis flûte, je m'en fiche. Elle joue avec Mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Ça alors? Mais comment l'avez-vous su? C'est mamie qui les a vus. Elle me l'a dit un jour de confidence où elle avait un verre dans le nez. Ah, sacré mamie, il y a toujours une bonne petite bouteille dans sa chambre. Et comment est-elle, ma tante Pierrette? Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. Ancienne danseuse nue, dit ces dames. Artiste de talent et pure comme Alice, dit Madame Chanel. Oh, je veux bien. Elle profite de sa jeunesse pour en faire marcher quelques-uns. Elle n'a pas tort, après tout. Mais comment Pierrette arrive-t-elle jusqu'au pavillon de chasse de Madame Chanel? Ben, elle fait du stop, jusqu'à la route nationale. Mais de la route à ici, il y a encore 2 kilomètres. Elle les fait à pied. Le bitume à arpenter, c'est son rayon. Oui, mademoiselle Augustine. Par là. Portez-lui ça. Quelle comédienne, votre tante Augustine. On l'entend hurler de ma cuisine. Je lui ai tout de même fait du tiol. Pourquoi dis-tu comédienne? Elle n'a jamais été malade. Son numéro. Dis-moi, mamie et tante Augustine que tu connais depuis peu, que penses-tu d'elles? Gentilles toutes les deux, mais encombrantes. Ta pauvre mère n'est plus chez elle. Elle lui faut constamment des réflexions, de la morale. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle elles ont raison, c'est l'éducation de Catherine. Qu'est-ce qu'elle a, mon éducation? Tu parles mal, tu manges du chewing-gum à table, tu fumes en cachette et tu lis des romans abracadabrants avec des couvertures macabres. Oh là là, est-ce que tu es une vieille vague? Susan, tu étais plus sage, toi. Nous avons 2 caractères différents, voilà tout. Mes pauvres petites. Chanel, à quelle heure es-tu partie hier soir? Vers minuit. Tu es allée te promener? Tu te moques? Avec un temps pareil. Tu as reçu des visites? Des visites? Il y a 10 ans que je n'en ai pas reçu. Catherine, je t'ai repassé un pantalon dans la lingerie. Va t'habiller correctement. Oui, j'y vais. Chanel, est-ce que Louise travaille bien? Oh, sur ce chapitre-là, je vais te dire ce que je pense. Louise est une coquine qui va de place en place, avec l'espoir de coucher avec le patron. Et quant aux autres... Quant aux autres, je m'en charge. Il faut absolument que je te fasse une confidence. Il n'y a que toi en qui j'ai confiance. Voilà. Ton père n'avait plus d'argent. Mais personne ne le sait que moi. Mais c'est très important, explique-toi. J'ai voulu donner à Marcel, en reconnaissance pour notre hébergement, des actions que je tenais de ton grand-père, le colonel. Il les a refusées et il m'a dit, gardez votre argent, il serait impuissant.
fermer ma chambre. J'entends craquer, je parquet de nuit, je t'entends marcher. Et tu ne dors donc jamais? Jamais. J'écoute, je passe la nuit à écouter. Et si Letty n'était pas là, je vous dirais bien ce qu'il m'est arrivé d'entendre. Ma pauvre Augustine. Mais j'y suis. C'est toi qui me l'as dit. Prenez. Mais on doit faire, calme-toi. Quoi? Pardon. Plus personne ne bouge, je prends la voiture. Madame, votre sœur, les clés de la voiture. Tante Augustine, mais quelle honte! J'étais trop malheureuse, ça, pour venir avec maman. Trop pauvre. Trop pauvre? Quand je me suis retrouvée seule à la mort de ton père, avec toi et ta sœur à élever, il a bien fallu que je travaille. Une femme seule, c'est affreux. Gabi va connaître ça maintenant. Sa vie recommence toujours, elle n'invente rien. J'espère que Gabi, elle, ne fera pas de différence entre ses filles. Entre celle qui est déjà une dame et l'autre, là, qui passe pour la bonne à rien. T'en fais pas pour moi. Les complexes, c'est pas mon rayon. Attends, ça viendra. Moi, ça a commencé au bal. On n'invitait jamais. Moi, j'ai horreur du bal. Oh, mais moi aussi, mais j'y allais comme tout le monde. Pour me faire des relations. Mais je ne m'en suis jamais fait. Alors un jour, j'ai décidé de ne plus y aller. C'était fini. Je suis restée avec maman et on a essayé de pas trop discuter. Augustine, je t'aime bien, maman. Quoi que tu en penses. J'aime tout le monde d'ailleurs. Mais personne ne comprend ma façon d'aimer. On croit que c'est de la haine. Comme le combat qu'on ne voit pas, ça fait du vinaigre. Oh, Catherine, nous avons toutes nos peines et nos excuses. À présent, il faut oublier les petites choses et faire face aux grandes. Ah oui, le jour de ton arrivée, assassiné un couteau dans le dos. Oh, tais-toi. Je dis les choses telles qu'elles sont. Tu as dit vrai? L'assassin est dans la maison. Arrêtez, vous faites peur à la petite. Bon, cette fois, c'est une détraquée. Et c'est uniquement la faute de ta mère. Qui lui laisse lire n'importe quel livre jusqu'à n'importe quelle heure avec la lumière qui m'empêche de dormir. Mais bon, je ne veux pas accabler ma pauvre sœur maintenant parce que... Parce que ça ne me regarde pas et que je ne le dirai pas. Non. Bon, je ne dirai pas que Gabi réclamait à corps et à cri, et surtout à cri, de l'argent à Marcel, et qu'elle le dépensait à tort et à travers, et Dieu sait avec qui. Et je ne le dirai pas non plus, ton père, un homme si bon. Dès qu'il lui faisait une remarque, bam, elle l'a mouché. Un homme pareil. Oh. Après tout ce qu'il a fait pour moi. Pour nous. Oh, il ne manquait jamais de m'acheter des bonbons et des chocolats. Nous avoir hébergés malgré la mauvaise volonté de ta mère, c'est... Non, non et non. Cette fois-ci, inutile de dire à madame que je lui donne mes 10 jours. Croyez-vous que ce soit le moment? Ah, j'en avais déjà assez de tout le monde avant. Mais qu'est-ce qui se passe? La voiture ne part pas. On a arraché tous les fils du moteur. On a arraché? Qui ont? Perdez vos insolences. Ah, ce ne sont pas des insolences. Ce sont des constatations. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, ma fille, et que tout le monde le sait. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, madame, et que tout le monde l'ignore. Oh, il y a des lois contre les faux témoignages. Il y a aussi des lois pour hériter. Ça signifie qu'il faut appeler le notaire. Le notaire? Pourquoi? Bah, vous savez bien. À qui profite le crime? Je ne comprends pas. Bah oui! La personne qui hérite de l'assassiné est forcément l'assassin. Tous les bouquins policiers le disent. Oh! Vous la présentation, ma fille! Eh ben, c'est bien la première fois que tu te prives de son éducation. Ah oui! Bon, il n'y a plus qu'une solution, partir à pied, Gilles. Je vais avec toi. Mais non, maman, je cours jusqu'à la rue. Bon, alors fais vite. Ces Allemands sont plus tolérables. Montez. La grille. Quelqu'un arrive. C'est l'assassin qui revient. C'était vous. Maman, je me sens mal. Regarde, maman. Regardez. Marcel. Marcel. Je m'excuse, mesdames. Je ne me serais jamais permis de venir ici chez mon frère sans y être invitée, et surtout par un temps pareil. Mais les circonstances... Je vais sans doute vous sembler ridicule, mais j'ai reçu il y a une heure un coup de téléphone.
sans doute une affreuse plaisanterie, on m'a dit « Venez vite, votre frère a été assassiné ». On a raccroché. Alors j'ai essayé d'appeler ici, mais votre appareil doit être en dérangement. D'un coup, bêtement, j'ai eu peur, alors le boulanger m'a déposé en bas sur la route. Pourquoi est-ce que vous me regardez tout comme ça? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Répondez. Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Comment savez-vous que c'est sa chambre? Vous qui n'êtes jamais venu ici. Vous fixez toute cette porte. Marcel! Marcel, c'est Pierrette. Marcel, ouvre-moi, je t'en prie. Ne criez pas, je vous en prie. Marcel... Marcel est mort. Oh. Mort? C'est vrai? Vrai? Un couteau dans le dos. Oh. Vous admettrez que, devant votre éruption, je me trouve obligée de vous poser quelques questions. Laissez-moi, je vous en prie. Avez-vous reconnu la voix qui vous téléphonait? Non. Elle a si peu parlé. Une voix d'homme? Non, de femme. Je ne crois guère à votre téléphone. Mais enfin, dans quel but aurais-je inventé ça? Pour avoir un prétexte pour venir ici ce matin. Que dis-je? Pour y revenir. Car vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Jamais. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas aboyé? Ils semblent habitués à vous. Est-ce que je sais? Pourquoi cette porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher quoi que ce soit. Qui a la clé? Nous toutes. Donnez-moi cette clé. Je veux entrer. Je veux voir Marcel. Pour faire disparaître quelque chose que vous auriez laissé derrière vous, sans doute. Donnez-moi cette clé ou j'enfonce la porte. Prenez la clé vous-même. Cette clé n'ouvre pas. Comment? Voyez vous-même. Ce n'est plus la clé. On l'a changée. Pas de téléphone, pas de voiture et plus de clé. Une ici travaille contre nous. Le doute n'est plus possible. À part pitié, je vous prie de réfléchir à ce que vous dites. C'est très grave. Nos mères ne vont pas résister. Mais que veux-tu qu'elles disent, grand-mère? Je sais pas. Moi aussi, je suppose le pire. Nous avons toutes tourné autour de cette clé. Et chacune a pu l'échanger contre une autre pour nous empêcher d'entrer chez papa. Y compris tant Pierrette, qui en passant de dos a pu faire la substitution. Vous me retenez prisonnière? Appelez ça comme vous voulez. Très bien. Qui êtes-vous d'abord? Toutes. Je suis votre nièce, Susan. Moi, Catherine. Je suis mamie et... Quand avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Nous sommes fâchés. Vous le savez bien. Oh, ne me dites pas que vous ne le rencontriez jamais, je ne vous croirais pas. Oui. J'ai croisé Marcel une ou deux fois, par hasard, en ville. Il m'aimait beaucoup. Et souffrait que vous me refusiez l'accès à la maison. Oh, c'est un monde. En tout cas, maintenant, vous y êtes dans la maison. Oui. Ce coup de téléphone semble avoir voulu me joindre à vous. C'est clair. Et pourquoi l'assassin vous aurait-il averti? Pas vraisemblable. En tout cas, mon frère est mort. Je suis décidée à vous soupçonner tout le temps. Bon, évidemment. D'un coup et par principe. Mais... Vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. Vous trouvez? Oui. Le fait que vous ayez voulu fuir prouve que vous êtes coupable. J'allais prévenir la police. La mort de Marcel me prive de tout ce qui me restait au monde. Sans lui, je suis plus seule que jamais. Tandis que vous, c'est la liberté, la richesse. Accusez-moi de ce meurtre? Pourquoi pas? Mais nous perdons toute la tête. La belle-mère. Le Marcel, et voici Augustine, mon autre fille. Nous étions hébergés par mon gendre, votre frère.
J'avais de l'argent, mademoiselle. Mais figurez-vous, on me l'a volé l'autre nuit. Bon. Bah, autant mettre mademoiselle au courant tout de suite. Alors c'est vous, Augustine. J'étais curieuse de vous connaître. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Eh bien, nous sommes abonnés au même club de lecture. Oh. Mais tu es abonnée à un club de lecture. Ah, tu ne me l'avais jamais dit. Excusez-moi, j'ai gaffé. Ah oui? Non, 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 pas du tout. J'y suis inscrite. C'est vrai. Mais je n'y crois jamais. Voilà. Mais ma fille n'aime pas lire. Ah oui. C'est étrange. La secrétaire qui est bavarde m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine. Et tous des romans d'amour. Vous vous trompez? Peut-être. En tout cas, il y a 8 jours, vous avez lu La gondole des amants, non? Gondole des amants? Je ne sais plus. J'ai emprunté ce livre juste après vous. Le hasard, ou presque. En tout cas, j'ai été comblée. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose vous appartenant. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Et qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Si vous avez quelque chose de l'appartenant, rendez-le lui et c'est tout. Hein? J'y ai trouvé une lettre. Une lettre que vous adressiez à Marcel. Oh, à Marcel? Tu écrivais à Marcel que tu voyais tous les jours. Mais enfin, c'est une invention de cette femme. Une invention? Vous n'avez pas de chance, je conserve tout. C'est une très très vieille habitude. Il ne faut pas m'en vouloir d'avoir fait une scène à maman devant toi à propos des titres. Oh, j'étais obligée de réclamer ma part pour ne pas qu'elle soupçonne le trop grand intérêt que je te porte. S'il n'avait tenu qu'à moi, je te les aurais donnés, etc., etc. Ah, sache que je suis capable de tout pour t'éviter des ennuis. Mais cesse de me narguer avec Gabi. Je glisse ce mot sous ta porte et t'embrasse affectueusement. Signé Augustine. Ce n'est pas vrai! Je n'ai jamais aimé Marcel! Je le détestais! C'était un menseur! Il y avait des liaisons un peu partout! Et j'aurais donné mes titres pour qu'il les porte à ses maîtresses! Mais regardez sa sœur! Regardez son sourire! Et des doubiens! C'est la même famille! Ma fille ne sait plus ce qu'elle dit! Vous le paierez! Des menaces? Un mobile de meurtre et des menaces? C'est beaucoup pour une seule personne. Mais enfin, j'ai pas pu me tuer, j'ai pas bougé de la chambre de la nuit. Oh, pardon, tu as été 5 fois dans la salle de bain. Mais quelle salle de bain? Bravo, tante Pierrette, pour cette diversion sur Augustine, vous êtes très forte. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Êtes-vous déjà venue ici? Jamais. Vous mentez. Nous en avons la preuve. Chanel, merci. Je n'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, elles se connaissent, se rencontrent, je le sais. Elles adorent jouer aux cartes, toutes les deux. Oh. Où vous rencontrez-vous? Chez moi, le soir, en ville. C'est notre droit, non? À qui ferez-vous croire que Madame Chanel fait 9 km dans la nuit pour faire une partie de cartes? Oui. Vous mentez encore. Quand je vous ai demandé si vous veniez ici en cachette, vous avez regardé Chanel. Donc vous veniez ici, et Chanel le savait. Mieux, elle vous accompagnait et les chiens se sont habitués à vous. Répondez. Autant le dire, Pierrette. Je la recevais dans mon pavillon où souvent elle passait la nuit. Voilà. Et du pavillon à la maison, la distance a dû être trop longue à franchir. Oui. Je suis venue voir Marcel, une fois. Bon, j'avais quelque chose d'important à lui dire. Oh, c'était si important que ça. Madame Chanel n'aurait pas pu faire la commission. Écoutez, les circonstances sont graves, la police va arriver. Si elle arrive, parce que personne ne semble décidé à aller la chercher. Oui. Et la police mettra beaucoup moins de gants que nous pour découvrir les vérités qui se cachent dans cette maison. Alors faites un effort pour parler. Elle venait sans doute lui demander de l'argent. Je n'ai jamais réclamé d'argent, Marcel. Mais il vous en a donné de lui-même, n'est-ce pas? Parfaitement. Il a compris que j'étais gênée et une ou deux fois il m'a aidée. Oh, c'est inconcevable. Maman, tais-toi, là n'est pas la question, papa était libre. Mais comment? Cette fille soutire de l'argent,
mon mari, je ne dois pas lui dire un mot. Mais cet argent était à moi. Il me revenait de droit. Maintenant, il est à vous, tout à fait. Oui, parfaitement. Votre amour de l'argent vous étouffera, ma chère belle-sœur. Mais vous l'entendez, elle ose me dire que je... Mais je t'aime, maman. Cet homme est épouvantable. Je suis à bout. Alors, inspecteur, cette enquête, ça avance? Écoutez, il s'agit de savoir ce que vous toutes avez fait cette nuit. Maman, où étais-tu? Dans ma chambre, quelle question? En es-tu sortie? Non. Ah si, une fois. J'ai été voir si Catherine n'était pas malade. Il m'avait semblé entendre claquer la porte. Elle lisait tranquillement et je suis rentrée me coucher. Et tu n'as croisé personne dans le couloir? Si. Non, moi je ne sais plus. Catherine, je t'ai levée? Oui, pour aller au petit coin quand maman a dû m'entendre. Je n'ai vu personne. Tu n'as rien entendu? Tu sais, j'étais en plein dans mon bouquin et je n'ai pas fait attention. Ah si, quand Augustine à un moment m'a dit d'éteindre. Et tu lui as répondu? Oui. Ah, ça oui, un gros mot, petite peste. Tu vas me payer ça. Je ne voulais pas le dire, mais tant pis pour toi. Voilà. Au moment où je me suis recouchée, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai regardé chez Augustine par le trou de la serrure et je l'ai vu devant sa glace, avec quelque chose dans les mains qui brillait. Sur le moment, je n'ai pas réagi. À présent, j'en suis sûre. C'était un couteau. Elle l'aiguisait. Mais petite folle, toutes tes lectures t'ont tourné la tête. Tu es davantage que moi, alors, goudole des amants. Ce que je tenais dans les mains, c'était mon peigne en acre blanc que je nettoyais. À 3h du matin? Il n'y a pas dehors pour les peignes. Tante Augustine, nous te croyons. Je nous ai dit être allée 5 fois dans la salle de bain, c'est bien ça? Oui. As-tu rencontré quelqu'un? Personne. As-tu entendu des pas, des portes claquer? Je n'ai pas fait attention. Mais pardon, tu ne pouvais pas dormir. Quelqu'un qui ne peut pas dormir est nerveux. Et le moindre bruit fait sursauter. Tu as dit tout à l'heure avoir entendu mamie se lever. Oui. Mamie, tu t'es levée? Non, non. Oui, je me suis réveillée vers 1h30. J'ai tricoté dans mon lit très tard hier soir. Et soudain, j'ai pensé que la laine qui me restait était au salon. Je suis allée la chercher pour travailler de bonne heure dans mon lit. As-tu croisé quelqu'un? Non. La lumière brûlait chez Catherine et chez Augustine. Il m'a semblé entendre des éclats de voix provenant de chez Marcel. Mais je n'ai pas distingué qui criait et je ne m'en suis pas inquiétée. J'ai pensé que c'était toi. Tu as entendu crier et tu as pensé que c'était moi? Merci. Gabi, excuse-moi, je ne voulais pas... Oui, peut-être. Ça fait plaisir d'entendre dire par sa mère que l'on vit avec son mari à couteau tiré. Oh, enfin, je veux dire... Louise, avez-vous quelque chose à dire sur ces éclats de voix provenant de chez mon père? Non. Quand j'ai amené le tilleul à monsieur, hier soir, il était seul. Vous n'avez croisé personne? Si. Mademoiselle Augustine. Pardon. Mais tante Augustine, tu m'as dit d'avoir rencontré personne. J'avais oublié. J'étais allée voir. Elle a passé sa nuit à boire. Louise, où avez-vous croisé ma tante? Vers la pendule ancienne. La pendule ancienne. Mais tante Augustine, si ma mémoire est bonne, la pendule ancienne n'est pas entre ta chambre et la salle de bain. Ça devait être au moment où je suis allée demander à Catherine d'éteindre. Voilà. Non. Tu rôdais du côté de la chambre de Marcel. Que s'est-il passé? Tu le saurais, maman. Si tu faisais pas chambre à part. Oh, se faire juger par ses enfants. C'est affreux. C'est bien pour ça, ma veille, que j'en ai jamais fait. Parfait. À quelle heure, Madame Chanel, êtes-vous partie? Je n'ai pas regardé, mais c'était autour de minuit. Avant ou après le tilleul? Vers ce moment-là. J'ai entendu monsieur le commander et je suis partie peu après. Combien de temps après? 5 minutes? Un peu plus. Car lorsque Louise occupe ma cuisine, j'en ai pour un bon moment à mettre de l'ordre. Surtout qu'elle a voulu faire ce tilleul elle-même. Pourquoi avez-vous tenu à le faire vous-même, Louise, ce tilleul? Monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal. Vous vouliez le lui porter vous-même? Pourquoi vous me demandez ça, madame? Il y a longtemps que j'ai vu clair dans votre jeu, ma fille. Comme madame voudra. Je préfère être accusée de vice que de meurtre. Ah bon? Il
ne me reste plus qu'à vous demander où vous étiez. Vous, Pierrette. Où étiez-vous hier soir? Je suis allée faire une visite personnelle, qui ne regarde que moi, et qui n'a aucun rapport avec ce qui nous bouleverse. Vous n'avez pas vu mon mari hier soir, c'est certain? Oui, c'est certain. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vu Marcel vivant, c'est vous, Louise. C'est grave. Est-ce qu'on peut m'accuser du meurtre? Sans aucun doute. J'hallucine. Quoi? Je n'aime pas les ennuis. Je m'excuse, mademoiselle Pierrette, mais je vais tout dire. Je m'en doutais. Bien. Voilà. Quand j'ai amené le tilleul à monsieur hier soir, sa sœur était avec lui. Oh, Pierrette, qu'êtes-vous venue faire chez mon mari hier soir? Je suis venue bavarder. J'avais le cafard. Et pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi élevait-il la voix? Vous vous disputiez? Non. On riait, même. Oh. Et ma mère qui disait avoir reconnu ma voix? Joli témoignage. Louise, vous avez donc surpris une conversation entre mon petit tante Pierrette et mon père? Ah non, non. Je suis partie tout de suite, en apportant le plateau. Et vous, Pierrette, qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien. Nous avons discuté, j'ai quitté mon frère quelques minutes plus tard. Ça, je peux le jurer. J'ai vu mademoiselle Pierrette passer devant la fenêtre de la cuisine. Et elle ne vous a rien dit à ce moment-là? Non. Vous venez d'hésiter. Faites attention, Louise. Si vous mentez, la police peut vous arrêter pour complicité. C'est grave. Enfin, laissez cette fille tranquille, ça n'a pas de sens. Vous vous trahissez, Pierrette. Vous avez dit quelque chose à Louise en la croisant et vous avez peur qu'on la prenne. Écoutez, je vais tout vous dire, comme ça on me laissera tranquille. Merci. Quand j'ai amené le tilleul à monsieur hier soir, sa sœur était avec lui. Et quand mademoiselle Pierrette est partie, elle m'a demandé de ne pas parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Oh, oh, 10 000 sommes. Je les regrette bien, petite grue. Comment? Dites donc. Permettez, ce n'est pas un secret, vous couchez avec tout le pays. Nous couchons donc toutes les deux avec les mêmes. Deux. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, je dirai encore pourquoi vous m'avez donné ces 10 000 francs. Parce que quand j'ai donné... Parce que quand je suis entrée dans la chambre hier soir, vous étiez en train de dire à monsieur, si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Oh, c'est faux. Je disais je me tue. Non, je te tue. Bon, assez. Pour que personne ne bouge. Mamie, où allons-nous? Mais nous perdons toute la tête. Dans tous les bons romans policiers, c'est comme ça. Et je m'y connais. J'en ai assez. Je cours jusqu'à la route taper une voiture. Oui. Parce que maintenant, il n'y a plus de doute. L'assassin est parmi nous. Prouvez-le. Ce ne peut être qu'une de vous sept. Voilà mon avis, c'est tout. Dis donc, Simon. Tu as oublié d'interroger quelqu'un? Qui? Toi? Moi? Oui. Tu as passé en revue nos sept emplois du temps d'hier soir. Mais tu as oublié de me parler du tien. Tu dis des bêtises, Catherine. Ta sœur est descendue du train ce matin sous mes yeux. Erreur, petite mère. Erreur. Comment erreur? Oui. Susan était dans la maison hier soir. Je l'ai vue. Quand m'as-tu vue? Cette nuit. J'ai entrouvert ma porte et je t'ai vue entrer chez papa. Il était 4 heures du matin. Je n'ai pas vu mon père, je le jure. Enfin, Suzanne, explique-toi. Je reviens sur le bouleversement. Oui. J'ai pris le train avec un jour d'avance. Allô? Je suis passée par le service. Et je suis entrée chez papa pour lui dire quelque chose de grave. Que je voulais qu'il soit le seul à savoir. S'il ne m'avait pas approuvé, jamais je ne serais revenue. Il a été merveilleux de gentillesse. Pauvre papa. Il m'a promis son appui et il m'a conseillé de prendre le train et de refaire une station en arrière. Et je suis arrivée ce matin par le train prévu. Je vais avoir un enfant.
Oh mon Dieu! Madame! Cathy, vous n'êtes pas partie? Mais la grille est fermée! Nous ne pouvons pas sortir du Spark! Nous sommes enfermés! Alors, tu vas avoir un petit enfant ? Oui. Je n'aurais pas dû dire tout à l'heure que tu étais venue. Si, tu as bien fait. Comment est-il, ton fiancé ? Grand, blond, avec des yeux verts. T'as de la veine. Qu'est-ce qu'il fait ? Travaille dans une banque. La banque est à lui ? Non. Il a une bagnole ? Non. Mais alors il est fauché. Tu crois encore que l'argent c'est le bonheur? Oui. Il a un frère? Non. Dommage. Oh, grosse bête, mais t'as tout le temps pensé à ça. C'est pas ton âge. Mon âge. Toujours le même refrain. Faut pas lire, faut pas siffler dans la rue, ni lancer des pierres, ni fumer. Faut pas. Et zut alors. Mais Catherine. Alors ? Les chiens sont morts. C'est effrayant. Les pauvres bêtes. Et pourquoi les avoir tués ? Je me demande. Je vais vous le dire. L'assassin voulait savoir si la mort aura tué les êtres humains. Le voilà renseigné. Alors attendons-nous à en manger dans de brefs délais. Vous ne voyez donc pas dans quel état nous sommes ? La boîte de Morora a disparu. Qui a fait ça? Qui a juré de nous terroriser à ce point? Moi, en tout cas, je ne peux plus respirer. Je vais m'enfermer dans la chambre. Ah non! Attendez. À partir de cet instant, plus personne ne quitte cette pièce. Je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin frappera nous. Oui. Mais on croit faire un cauchemar. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, la grille fermée, et maintenant les chiens empoisonnés. Vous direz ce que vous voulez, mais je ne trouve pas ça normal. Que me proposez-vous de faire ? On pourrait crier ou appeler quelqu'un sur la route, à travers la grille, avec cette tempête qui s'arrêtera. Mes enfants ! Mais c'est un vagabond ! Ça ne peut être qu'un vagabond ! Oh, mais non !
faut se rendre à l'évidence. C'est une de nous huit. Écoutez, je propose que nous restions dans le salon jusqu'à ce... Ben, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse. Pour avoir une nouvelle victime à pleurer. Mais non. En réfléchissant bien, nous devrions pouvoir trouver quelque chose. Ma pauvre petite. Tu passes ton temps à réfléchir et jusqu'à présent sans résultat. Nous savons au moins à quelle heure papa a été tué. À quelle heure? Après 4h du matin, puisque j'ai quitté à cette heure-là. Charmante façon de vous placer à nouveau hors du drame. J'ai quitté mon père vivant. J'aimerais que l'on me croie. Nous vous croyons. Simplement, chacune ici se dit innocente. Pourtant, il y a une coupable entre ces quatre murs. Oui. C'est un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une main. C'est l'assassin, oui. Et ceux qui l'aident à se cacher, c'est que les autres mentent aussi. Pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, il faudra que vous vous découvriez d'abord. En tout cas, je préviens la meurtrière que je suis armée. Oh. Eh bien, je la préviens que... Moi aussi. Oh. Ça va. Merci, Louise. Merci. Oh, les merci, hein. Je ne trouve rien dans la chambre d'Augustine. Elle a la manie de tout déplacer. Viens avec toi. Tante Augustine est toute pâle. N'aie pas peur. Elle va revenir à elle. La piqûre lui fera du bien. C'est pas du chiquet? Elle est vraiment évanouie? Mais tais-toi donc. C'est que je me mords les doigts d'avoir dit en arrivant ici que j'avais mon diplôme d'infirmière. Si mademoiselle Augustine meurt, on dira que j'ai mal fait la piqûre. Ah, je ne suis pas au bout de mes peines. Le jour où j'ai mis les pieds ici, j'aurais mieux fait de me casser la jambe. Alors, ces ampoules,
Ça vient ? Qu'est-ce qu'elles font ? Tu veux que j'aille voir ? Non, reste ici. Nous ne trouvons rien. Je ne comprends pas, il n'y a plus un seul médicament dans la chambre d'Augustine. Vous pensez qu'on aurait pu disparaître les remèdes volontairement ? C'est pas... Ma petite Augustine ! Bah, peut-être les a-t-elle jetés ? Non ! On les a jetés ! On a voulu tuer Augustine indirectement. Bon, je retourne fouiller. Il faudrait faire quelque chose, non ? Lui mettre de l'eau sur la tête. Un torchon mouillé. Oh, gifle là. Je t'entends, Gabi. Tu veux me gifler ? Si tu m'entends, c'est que tu es encore en vie. Tant mieux. Augustine, comment te sens-tu ? C'est terrible. J'ai le cœur arrêté. Il ne faut pas bouger, il va repartir. Je veux une piqûre. On est allé les chercher. Sont-elles dans le tiroir de ta table ou ailleurs? J'en ai dans le tiroir avec les médicaments et dans l'armoire avec tout le reste. Tu ne les as pas changées de place? Mais non, quelle idée! Ma piqûre! Je ne sais pas si ça te ferait du bien. Mais je vais mourir, maman. Mais non, tu ne vas pas mourir. Tu t'évanouis 2 fois par jour. Quoi? Personne ne bouge? Personne ne parle? Ah, j'ai compris. Vous êtes toutes d'accord. Vous me regardez mourir. Vous allez me laisser crever comme un chien virus. Ah non, hein. Ne me touche pas, moi. Je vous enterrerai toutes. Louise, ma pécure. On voudrait bien, ma belle. Mais tous vos médicaments ont disparu. Disparu? Nous n'osions pas te le dire. Parfait. Je vais débarrasser la maison, comme j'avais toujours vécu, sans secours et sans aide, seule, toujours seule, avec mon cœur malade et tout vide. Il n'y avait que Marcel de propre ici, et vous l'avez tué avec votre laideur. Et pour moi, c'est bien fini aussi. On donne des amants, chapitre 8. J'ai trouvé les médicaments. Oh, sauvée, sauvée. Mais tiens, les voilà tes piqûres. Et pas tout à l'heure le soir, toi. Oui, allons vers l'office. Ma Catherine reste là. Tu veux pas faire la piqûre? Eh bien, quelle journée. Je m'en rappelle, ouais. Dites-moi, Susan, où avez-vous trouvé les médicaments? Le vol ne devait pas remonter à plus d'une heure. Car tante Augustine qui est retournée dans sa chambre s'en serait aperçue. Le voleur, la voleuse, n'a pas eu plus de 2 ou 3 minutes pour agir. Elle a donc déposé le paquet là où elle a pu. J'ai fouillé les chambres. C'était sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Sous le mien? C'est incroyable, on a voulu me compromettre. Sans doute. Qui peut nous en vouloir à ce point? Il s'agit d'un ennemi de la famille, rien ne s'explique autrement. Qui n'est pas de la famille? Voilà le problème. C'est pour moi que vous dites ça? Non. Vous avez trop d'intérêts dans la maison, ça vous lie à nous. Des intérêts? Je ne vois pas. Vous êtes innocente. Vous savez très bien que Marcel a pensé à vous dans son testament. Il vous l'a dit ou vous le supposez? Il me l'a dit. Il y a 8 jours. Il m'a annoncé qu'il vous laissait 2 millions. Mais c'est très important, tu ne disais rien. Je n'y pensais plus. Marcel a donc eu un geste. Ce que vous avez dû pester. Oh, pas tant que vous croyez. J'étais si contente de me débarrasser de vous à ce prix-là. J'ai dû prendre rendez-vous avec son notaire dans les jours qui ont suivi. Et lorsque vous avez été certaine de votre héritage, vous avez... Oh non. Voyez-vous, ma version est différente. Marcel n'avait pas encore testé en ma faveur, mais allait le faire. Alors vous avez agi de toute urgence. Quelle horreur. Le testament a-t-il été fait, oui ou non? S'il a été fait, les doutes tombent sur moi. S'il n'a pas été fait, les soupçons tombent sur vous. Je peux vous renseigner sur ce point? Le testament n'a pas été fait. Hier soir, quand j'ai vu papa,
Il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de tout m'avouer. J'irai chez mon notaire demain et je penserai à toi, c'est promis. Ingénieuse façon de dire, je n'ai pas tué mon père, car le lendemain, il allait me coucher sur son testament. Et ignoble façon de m'accuser du crime. Tu es monstrueuse de parler de cette façon à ta mère, Susan. Je ne t'ai pas accusée, maman, j'ai dit ce qui était. Ah, tu oses encore me regarder et me donner des leçons dans l'état où tu es? Moi, je peux encore te regarder en face. Regarde-moi! Regarde ta mère et me répéter ce que tu as dit! Je ne me remettrai jamais à toutes tes horreurs. Bien joué, la scène du mélodrame. Vous faites... Dites-nous plutôt où vous étiez l'année dernière. C'est pas à vous que j'en répondrai, mais à la police. J'ai quelqu'un chez qui j'étais pourra témoigner pour moi. Un homme, sans doute. Vous m'avez déjà posé la question, et je n'ai pas répondu. C'est vous qui avez mis les médicaments sous mon lit. Pour me faire du mal. Vous me détestez, ça se voit. Susan, tu as regardé sous mon lit? Oui, j'ai tout vu. Tu as vu... Tes valises? Prêtes, garnies, bombées. T'allais faire un voyage? Ben... Ça y est, la piquée est piquée. Tu ne crois pas qu'elle est d'une insolence inquiétante? Oh, c'est formidable les piqûres. Crac, et tu te sens mieux. Oh, sais-tu maman où on a retrouvé les médicaments? Non, sous mon lit. Oh, qui a pu faire ça? Tout le monde, tiens. Puisque nous nous sommes toutes baladées dans la maison. Et Louise, qu'est-ce que vous êtes à la piqûre à Augustine? Vous trouvez ça normal? Bah oui, quoi. Vous lui avez dit des sottises. Ceci dit, c'est une bien curieuse personne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Louise, dites-nous les noms des garçons qui vous écrivent ici. J'ai vu des tas de lettres dans votre tiroir. Menteuse. Je vous ai suivie un soir. Vous mentez? Mais je vais aussi dire tout ce que je sais sur vous. Allez-y. De la discussion jaillit la lumière. J'ai trouvé des livres drôlement salés sous votre matelas. Avec des illustrations. Mais pourquoi m'en avez-vous rien dit? Ça dépasse mes attributions. Je me suis contentée de les confisquer. Ah, c'est vous. Mais Catherine, où as-tu pris ces livres? Je les ai barbotés en sortant du collège. Ils étaient en devanture d'un kiosque de journaux. C'est une honte. Hop, ni vu ni connu. C'est Louise qui fout, je vais mettre là, dans mes oreillers. Mon argent! Mon argent, voleuse! Doucement. Louise fouille sous les lits. Et elle va nous dire ce qu'elle a vu sous les lits. Sous les lits? Oui. Louise, parlez! Parlez! Personne ne vous punira! Ah, si le syndicat des gens de la maison vous voyait, il en crèverait de joie! Si personne n'a rien de précis à reprocher à Louise, nous pourrions la laisser en peine. Hein. Et moi, j'ai des choses à lui reprocher. Sans parler de la piqûre qu'elle refusait de faire à Augustine. Je dois dire qu'un jour, j'ai vu cette fille ouvrir une lettre qui m'était destinée. Mais c'était une erreur. Oh, une erreur. Parfaitement, une erreur. Je suis obligée de témoigner pour Louise. C'est moi qui vais retirer le courrier de la boîte, depuis 10 ans. Louise ne l'approchait jamais. Elle ne pouvait rien dérober. C'est ma faute si un jour j'ai donné une lettre de madame à Louise. En voilà une affaire. On peut se tromper. Il y avait un mandat dans cette lettre. Et après, on peut se tromper. On peut donner une enveloppe pour une autre. Tout le monde peut faire une erreur. J'en fais souvent des erreurs. Tenez, j'ai surpris un jour madame votre grand-mère en train de boire au goulot d'une bouteille de Porto. Eh bien, c'était une erreur. Elle me l'a bien expliqué. Elle regardait dedans pour voir si la bouteille était vide. Et je ne suis pas allée raconter partout que vous étiez une pauvre. Merci, Chanel. Et madame Chanel, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi, alors que vous nous avez dit être partie de la maison vers minuit, pourquoi j'ai vu votre manteau et votre fichu accrochés dans le vestibule de l'office, et cela vers 1h30, quand je suis allée chercher la laine au salon.
Vous avez la répartie si facile. Répondez. Répondez donc. Oui, je suis retournée dans la maison vers 1h du matin. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Je pensais qu'on allait arrêter la coupable tout de suite. Et pourquoi as-tu éprouvé le besoin de revenir ici après minuit? En quittant la maison, je suis allée droit à mon pavillon, où j'avais laissé Pierrette, qui était là depuis 9h du soir. Nous comptions faire une partie de cartes, et quand je n'ai trouvé personne chez moi, j'avoue que j'ai eu peur. Peur? Non, ce n'est pas le mot. Je veux dire, j'ai pensé que Pierrette avait dû venir voir monsieur. Je craignais leur rencontre, leurs différends, leurs disputes. Bravo, Madame Chanel. Vous faites du bon travail. Dites plutôt que vous êtes revenu par besoin de jouer. Ça vous tient la passion du poker, hein? Si vous voulez insinuer, Chanel. Tu es donc retournée chez mon père de meneur. Oui. Et tu y as trouvé tant de Pierrette? Oui. Que disait-il? Rien. Comment rien? Il ne disait rien? Que faisait-il alors? Ben, il jouait aux cartes. Mais qu'est-ce que vous dites? Mon mari jouait aux cartes aussi? Oui, madame. Mais depuis quand? Depuis... Depuis mon arrivée ici, sans doute. Oui, c'est faux. Marcel courait les tripous à tous ses voyages à Paris. Nous en parlons connaissance de cause, c'est moi qui pilotais. Alors qu'on ne vienne pas me coller ses défauts sur le dos. Et vous? C'est depuis mon arrivée ici, sans doute aussi, que vous êtes prise de cette passion des cartes, du jeu, du PMU. Vous et Marcel étiez sans doute deux innocents à qui j'ai refilé la peste. Oh non, moi je joue depuis toujours. Seulement, depuis votre arrivée, je perds plus souvent. C'est tout. Vous avez englouti toutes vos économies. Et maintenant, vous allez dire que je triche et vous vole. Je ne dis rien. Parce que je n'ai pas de preuves. Eh bien, quand on n'a pas de preuves, on se tait. Mettez-vous à ma place. J'avais deux as de cœur. Ma Chanel, toi. Susan, je te jure que je suis incapable de faire quelque chose de mal. Ne crois pas seulement ma petite fille. Mais alors, Pierrette, Marcel et Madame Chanel, ils jouent tous les trois. Je regrette de n'avoir pas fait la quatrième pour jouer tes titres. Madame Chanel, vous en qui j'avais mis toute ma confiance, vous à qui j'ai laissé l'honneur d'élever mes filles. Fallait bien que j'aie l'honneur de les élever, madame. Si elles n'avaient que vos attentions, elles n'auraient pas eu grand-chose. Oh, c'est bien la première et la dernière fois que j'entends de pareils propos. Quand la police arrivera, je ne vous épargnerai pas, Madame Chanel. Comme vous voudrez, madame. Je n'ai rien à cacher, moi. Sûrement. Chanel, tu as joué longtemps hier au proker avec tante Pierrette et mon père? Oui, plus d'une heure. Et tu as gagné? Perdu? Perdu, bien sûr. Perdu combien? Car je suppose que vous ne jouez pas pour rien. Hein. Combien? 300 000 balles. Et tu as payé? Non. J'ai emprunté. À qui? À monsieur. Je l'ai quitté vivant. Et jamais je n'aurais pu faire cette horreur. Je suis sortie en laissant Pierrette et monsieur continuer la partie. Je le jure. Donc, Pierrette, vous êtes restée seule avec mon père après. Qu'avez-vous fait? Rien. Nous avons discuté. C'est pas vrai. Vous avez ri? Vous avez entendu? Vous avez ri de moi? Vous avez ri parce que vous m'avez volé 300 000 francs? Vous avez ri parce que vous avez triché tous les deux? Vous venez de vous trahir, Chanel. C'est vous qui avez tué Marcel. Le doute n'est plus permis. J'ai ma conscience pour moi. Je ne me suis pas retirée en Provence pour me garer d'une mauvaise affaire, moi. Chanel, je les ai entendus rire et après, que tu fais? Rien. J'ai pleuré. Qu'on me laisse tranquille en prison, je n'ai plus rien à dire. Pierrette, c'est donc vous désormais qui êtes la dernière à avoir vu mon père vivant? Ah, non. Louise a dû le voir plus tard et de plus.
voulez-vous que je sois retournée voir monsieur? C'est de la calomnie, je le jure. Mais enfin, Louise, votre parole n'a aucune valeur, vous n'êtes qu'une bonne. Mais enfin, mademoiselle Pierrette, la vôtre n'en a pas plus. Vous n'êtes qu'une putain. Oh, attendez, ça. Oui, mais je préfère. Marcel et cette fille se connaissent depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous dites? Oui, 5 ans de garçonnière, de voyage clandestin. Cet hiver, ici, la place de femme de chambre a été libre, alors Louise s'est fait embaucher. C'est ce qu'on appelle s'installer à domicile. Bien. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Elles sont déjà assez mal en point. Louise, que devons-nous penser de ce que nous venons d'entendre? Ben, vous connaissiez monsieur avant? Oui. Et vous avez décidé d'un commun accord que vous alliez faire la femme de chambre? Oui. Et vous avez accepté cette corvée facilement? Oui. Pourquoi? Parce que nous plaisions. Oh, merci. Eh ben. J'en entends le père. Pas besoin d'écouter aux portes, vous hurlez. Comment t'en suis, Augustine? Et je ne suis pas encore enterrée. Eh ben, c'est pas joli, joli tout ça. Oh, Marcel, il était bien à plaindre, avec vous toutes. J'aurais volontiers consolé, n'est-ce pas? C'est ça. Jette ta colère sur moi pour masquer le fait que tu as surpris Louise et Marcel et que tu t'es vengé plus tard dans la nuit. Tu veux dire ça devant mes filles? Tes filles, elles sont jolies. Merci. Catherine est la méchanceté et la paresse réunies. Ces romans lui ont tourné la tête et je ne serais pas étonnée qu'elle mijote quelques médisances contre moi. Et Susan, par contre, tant mieux, elle va avoir un enfant. Bravo. Ce n'est pas à toi de juger. Mais on me juge bien, moi. Susan est enceinte. Quand je pense qu'elle nous a interrogés comme la justice descendue de son sang. De mon temps, on respectait les jeunes filles. Parce que elles se respectaient. Maintenant, elles vont au cinéma, au café. Elles fument, portent des pantalons, vont au camping et se font faire des enfants. Tant pis pour elles. Ta négligence dans l'éducation de tes filles porte ses fruits. Mais puisque tu sais si bien élever les enfants, pourquoi n'en as-tu pas fait une douzaine? Mais parce qu'on m'a respectée, moi. Ah oui. Et quel résultat? Mais elle ne mérite pas que la traitiez ainsi. Elle est seule, et moi je suis vieille. Et je vous avertis toutes ici que la première qui s'attaque encore à Augustine, c'est à moi qu'elle aura affaire. Si tu voyais tes yeux, tu es une coléreuse, maman, et une ingrate. J'aurais dû te laisser croupir dans ta province. Quoi? L'assassin est très fort. Il se cache derrière nos mensonges, nos défauts, nos faiblesses. Joli tableau de famille. Ma petite Catherine, j'aurais tout donné au monde pour que tu ne sois pas avec nous, ici, aujourd'hui. Tu sais, je ne démarre pas le lot. Et si nous reprenions la conversation au moment où tante Augustine s'est évanouie? Je disais qu'en nous dispersant, l'assassin, comme Horace, pouvait frapper. Nous nous sommes dispersés et... Et aucun meurtre n'a eu lieu. Et aucun meurtre n'a encore eu lieu. Donc il est en marche. Elle n'a pas tout à fait tort. L'une de nous a pu préméditer quelques menaces. Cette façon de vivre dans la terreur de sa voisine est intolérable. Moi, à ta place, tante Augustine, je serai inquiète. L'assassin a dérobé tes ampoules, les a mal cachées, comme s'il voulait qu'on les retrouve vite. Et tu t'es quand même dépiqué avec. Tu es courageuse. Mais les ampoules étaient intactes. Je n'ai pas dit que vous aviez mis du poison dans la seringue. Mais je t'ai dit, tu te tais. Je jurais de rendre folle. Oh, tu te tais, oui ou non? Oui, elle a raison. J'ai l'impression que mes piqûres ne me font pas le même effet d'habitude. Oh. On a pas déjà trouvé l'ampoule. Ah, toi aussi, tais-toi. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte éclatée! On avait éteint la flamme de la veilleuse, j'ai voulu rallumer, tout a explosé! Lofi, je ne sais plus que faire. Donnez-moi des chiffons, n'importe quoi, des journaux!
sortir sur la terrasse pour vérifier quelque chose. Accordez-moi quelques minutes et je vous rapporte la vérité sur la mort de monsieur. Mon Dieu, est-ce possible, mon Dieu? Regarde ce qu'elle raconte. Mais sans aucun doute, elle sait quelque chose. Oh, elle divague. Où est-elle partie? Je vous signale que personne n'était censé quitter cette pièce et que vous l'avez laissée faire. C'est vrai. Elle nous échappe? Ce serait elle? Oui. Oui, j'en suis certaine à présent. Elle va tenter de s'enfuir, mais fait quelque chose! Évidemment, elle sait tuer l'assassin. Hein? Mais ça, c'est elle. Hein? Elle essaie de compromettre l'une de nous. Vite, cachons-nous derrière les portes et surveillons-la. C'était bien ça, j'étais toute. Où sont-elles? Pourquoi sont-elles parties? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Mais 20. Vous soupçonnez une de... Oui. Vous deux en plus. Mademoiselle essaye de me faire peur. Bien sûr, charmante enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous avons tous besoin de faire quelque chose. Surtout l'assassin. Ce soir est terrible. Ça doit produire un drôle de choc de tirer au revolver. Vous avez déjà tiré, vous? Non. Et toi, tante Christine? Oh non, non, jamais! Tu me vois en train de... Non, jamais, jamais! Moi non plus. Un jour, j'ai failli. À la foire, papa tirait des fleurs. Je lui ai demandé de me passer la carabine, mais il a refusé. Il n'était pas toujours gentil, papa. Et le même refrain. Tu es trop petite, trop petite! Ah, vivement mes 20 ans! Moi aussi, j'étais pressée d'avoir 20 ans. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Mais ça ne m'amuse plus autant. Ah ah! Je le savais! Le porte de grand-mère! On boit un coup? Ma foi. Vous êtes
vouloir. Je vous en veux d'autant moins que c'est très bien que je suis un vrai monstre. Un monstre? Oui, un monstre. Je suis à tuer. Enfin, tais-toi, Catherine, tais-toi. Je sens que il va y avoir un malheur. Je sens la mort qui rôde. J'ai peur. Et moi donc? Vous avez peur aussi? Et comment? Sans ça, croyez-vous que je ferais autant de bruit? Écoutez bien ceci. Je dois savoir dans un quart d'heure au plus tard le nom de l'assassin de papa. Et quand je saurai qui c'est, je l'exécuterai. Moi, toute seule, sans l'aide de personne. Mais ne dites pas ça! Si je le dis! Avec moi, pas de police. Je règle mes affaires sans intermédiaire. Vous avez des soupçons réels, au moins? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Allez me chercher... le sucrier. Tiens, tes petits copains, les corbeaux. Ce ne sont pas mes copains. Qu'est-ce que tu lui as raconté encore? Pas grand-chose. J'ai voulu la secouer un peu. Oh là là, je crois que j'ai mis 10 ans dans la journée. Moi aussi. C'est cool. Hein? C'est bon d'être une femme et non pas une petite fille qu'on ne prend pas au sérieux. On vous écoute. On a même peur de ce que vous dites. On ne vous répète plus. Reste là, ce n'est pas de ton âge. Tu ne pouvais pas quand même venir avec nous coucher Chanel? Vous l'avez mise dans la chambre de maman? Oui. Elle nous regarde avec de gros yeux ronds, sans rien dire. Merci. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Ou bien elle ne peut pas parler, ou bien elle ne veut pas. Elle couvre quelqu'un. Mais c'est impossible. Dis donc, Susan, as-tu déjà tiré au revolver? Mais laisse-moi donc. On dirait que tu as peur de parler de ça. Et pourtant, il faut bien que la vérité se fasse. Tu as peur de la vérité? Catherine. Je remets une tasse de café. Je ne peux pas rester seule. Vous avez vu du café, Louise? Oui, mais à la cuisine. Maintenant, je me barricade dans ma chambre, avec l'armoire devant la fenêtre. L'assassin est peut-être dans votre armoire, qui sait? Je vais laisser Chanel. Je ne peux pas lui tirer un mot, elle semble foudroyée. Oh, la mort partout! Augustine, ne crie pas. Je ne crie pas! Et Pierrette, peut-elle? Je ne sais pas. Moi non plus. Elle ne vous a pas suivi? Non. Je veux qu'elle ne soit pas partie. Partie? Mais elle nous a échappé. Je vous l'ai dit 20 fois que cette femme était dangereuse. On n'a pas écouté. Elle n'a pas répondu une seule fois à nos questions. Qu'a-t-elle fait la nuit dernière? Voilà, je sais. Maintenant, allez lui courir après. Moi, j'en ai assez de cette canne d'infirme que vous m'avez achetée pour m'humilier. Alors, que se passe-t-il? Vous en faites des têtes. Tante Pierrette a pris la clé des champs. Mmh. Comment ça? Elle est partie. Oh, elle est sûrement pas loin. La grille est fermée et pour sauter le mur, il y a de quoi se casser le cou. Mmh. Il avait été convenu que personne ne devait sortir. Pour ce que ça nous a réussi. Hein. Bon, les affaires de Pierrette sont encore là. Ah oui. Son sac. Bah eh bien, fouille-le. Un revolver. Qui avait raison? Quand je pense à toutes les accusations que j'ai été obligée de subir, vous la souteniez toutes contre moi. Enfin, fini. Je trouve un soulagement. J'avais tellement peur que ce fût une de nous. Tu sais, au fond, je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Tiens, moi. Merci. Maman. Merci. Et voilà ce qui allait se passer.
Pierrette s'est disputée hier soir avec Marcel. Puis elle est allée se coucher tranquillement dans le pavillon chez Chanel. À l'aube, elle est revenue tuer Marcel. Et au lieu de rentrer chez elle après comme elle nous l'a dit, elle a attendu patiemment le moment de faire sa réapparition en prétextant un mystérieux coup de téléphone. Tu crois ? Oui. Étant dans la place, elle a mis la mort dans l'assiette du chien, a volé le revolver et a voulu supprimer ou intimider son ami Chanel qui en sait trop. Oh, croyez-moi, tout s'enchaîne, tout s'éclaire. Louise, emportez vite les tasses et que tout le monde se mette à sa recherche. Madame ? Madame ? Le café ? Quoi, le café ? Je me rappelle maintenant. J'ai vu Mademoiselle Pierrette dans la cuisine avant qu'elle se sauve. Et je l'ai laissée seule, en face de la cafetière. Mais nous sommes empoisonnés. Madame, vous croyez ? Allez, moi, j'en ai vu de temps. Et vite ! Allez, j'ai fait une lettre. Je sens mon cœur qui m'a pris. C'est le poisson ! Mais non, c'est l'émotion ! Maman, tu crois que je vais mourir ? Ne crie pas comme ça, tu es mon enfant. Je ne peux pas mourir comme les chiens. Voilà, je l'ai. Moi d'abord. Chanel. Où l'avez-vous mise ? Sur le lit de maman. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est morte ? Non. Heureusement, l'assassin l'a manqué. Dieu merci. A-t-elle parlé ? Rassurez-vous, elle n'a rien dit. Voulez-vous du café ? Non, merci. Je suis déjà bien trop nerveuse. Pierrette, buvez cette tasse de café. C'est très aimable, mais non, merci. Buvez. Pourquoi ? Je n'en bois jamais. Buvez ce café. Enfin, buvez ce café. Pourquoi tenez-vous tant à me le faire boire ? Et pourquoi tenez-vous tant vous à ne pas le boire ? J'ai compris. Vous êtes toutes complices. Vous avez assassiné mon frère et maintenant vous voulez me tuer ? Nous ne voulons pas vous tuer, mais... Parce que vous êtes la seule à ne pas avoir bu de café. Voyez, toutes nos tasses vides sont là. Nous avons pensé que vous étiez partie en empoisonnant le café. Moi. Prouvez-nous le contraire en buvant. Bien. Si tout le monde en a bu, je peux boire sans crainte. Oui. Empoisonner le café, je le jure.
mais j'ai peur de mourir. Non, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas sortie de la salle de bain. Tout à l'heure, je vous ai vu toucher à la cafetière. Vous avez fait le café, c'est dit. Mais si on leur en faisait boire de force à tous les deux. Pardon, me finis de dire des sottises. Alors, vous levez le café? Non, je refuse. Alors, Thérèse, on se le boit toutes les deux? Enfin, Catherine, Catherine, pourquoi n'as-tu pas laissé boire seule? Mais je l'ai laissé boire seule. Oh. Espèce de petite garce, qu'est-ce que tu as fait? Par pitié! Oh non, c'est trop pénible, je suis en folle! Je ne veux pas voir mourir quelqu'un! Mais c'est rien, maman, c'est juste mes rêves! Oh non, non, quand même! Oh, Gabi, qu'est-ce que j'en fais? Mange-la, mets la côté! Gabi, par pitié! Augustine! C'est bon, je l'ai enfermé. Comme ça, bah nous serons tranquilles. Comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va. J'aimerais bien connaître la raison pour laquelle vous vous êtes toutes liguées contre moi. La raison? La voici. Ce revolver trouvé dans votre sac. On l'y a mis, je le jure. Évidemment. Facile à prouver. Quand la police relèvera les empreintes, elle ne trouvera pas les miennes. Et vous, vous l'avez toutes tricotées. Je ne vais pas penser à ça. Attendez, mais j'y suis. L'assassin nous a toutes isolées ici pour nous empêcher d'avertir la police. Donc il faut sortir de la maison tout de suite, c'est une question de vie ou de mort. Et puisque la grille est fermée. Je ne sais pas. Passons par-dessus pour les déchets du jardinier. Oui, je ne sais pas, essayons. Allons-y, allons-y. Maman, surveille-toi. Le drame m'a tué. Je n'ai plus qu'à enterrer maintenant dans ma petite ville. Charmante petite ville. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien dit. Votre sourire est bavard. On m'a dit beaucoup de choses sur mon sourire. Mais qu'il soit bavard, jamais. Puisque nous sommes là, toutes les deux, dites-moi merci et n'en parlons plus. Merci de quoi? Mais d'avoir tenu ma langue. À quel propos? À quel propos? Je vous ai souvent vu de loin. Je vous enviais. De quoi? De pouvoir jouer sur les deux tableaux. Je n'ai jamais eu de talent pour les devinettes. Vous avez un amant. J'ai un amant. C'est votre dernière trouvaille? Non. La première. Je le sais depuis longtemps. Autrement dit, j'ai tué mon mari parce que j'ai un amant? Non. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, ce serait trop simple. Si toutes les femmes qui ont un amant tuaient leur mari, il n'y aurait plus de mari sur terre, ni d'amant, puisque ce sont les mêmes. Bon, et après? Si j'ai un amant, qu'est-ce que ça change? Vous voilà bien avancé, on ne vous croira pas. Je n'ai jamais eu l'intention de le dire. Quel but poursuivez-vous? Aucun. Je sais que vous avez un amant, voilà tout. Ah! C'est du chantage? Non. De la curiosité. Si c'est moi l'assassin, vous ne pensez pas que votre curiosité, comme celle de Chanel, pourrait vous jouer un vilain tour? J'en prends le risque. Courageuse? Non. Heureuse même, en général. Je me demande comment un homme peut vous aimer. Vous vous trouvez sans doute plus désirable que moi? Le désir chez un homme n'est bien souvent qu'un vice compulsif, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas que nous nous égarons? Imaginez. Si toutes les femmes du monde se serraient les coudes, elles mèneraient le monde pour de bon. Car nous croyons le mener, et les hommes nous entretiennent dans cette illusion. Mais entre eux, ils sont d'accord, croyez-moi.
femmes vous ont donc fait tant de mal? Oui. Même Marcel? Surtout Marcel. Le mal fait par les autres hommes, je m'en fiche. Je l'ai rendu et bien. Mais j'ai été bientôt déçue, écœurée. Alors j'ai voulu rentrer dans l'ordre. Le seul parent qui me restait, c'était mon frère. Quand je suis arrivée ici, il a été lâche. Je lui ai fait peur. Je lui ressemblais trop. Alors il m'a fermé sa porte, renvoyé à mes aventures. Ça, je ne l'oublierai jamais. Alors, pour le punir, je l'ai obligé à me recevoir le soir, à me donner de l'argent. Louise a bien entendu. Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Quand on a une sœur qui est dans le pétrin et qu'on n'aide pas à se relever, ça se paie. Tout ce que vous dites vous accuse. Non. On ne tue pas la vache à lait. Ni vous ni moi. Vous pensez que je suis innocente? Oui, certainement. Je voudrais vous dire merci. Pour votre discrétion. Pas pour moi. Pour mes filles. Ah! Vos filles. Je vais vous dire quelque chose de pire. Allez-y. Je devrais être loin à l'heure qu'il est. Je quittais mon mari, ce soir. Mes valises étaient prêtes. Vous quittiez Marcel? Oui. Comment y croire? Mon mari est assassiné la nuit où je le quitte. C'est atroce. S'est-il douté de quelque chose? Sûrement pas. Pauvre Marcel. Il a toujours tout gobé. Et moi maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Pierrette, cet argent que Marcel vous a refusé, je vous le donnerai. J'ai menti. Il ne me l'a pas refusé. Il vous l'a donné? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Je ne peux pas le trouver, je ne l'ai plus. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai donné à un homme que j'aime. Donné? Oui, je paye moi aussi de temps en temps. Ça m'arrive. Il avait besoin de cet argent pour faire un voyage. Un voyage? Mm-hmm. Combien Marcel vous a-t-il donné? Il me fallait 500 000 francs, anciens. 500 000 francs? Il vous les a donnés? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute pâle. Pierrette, qui est cet homme à qui vous avez donné les 500 000 francs? Dites vite! Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Ces 500 000 francs étaient dans une enveloppe? Oui, une enveloppe rouge. C'est impossible. Qui est votre amant? Comment, vous ne savez pas? Non. C'est l'associé de mon mari. Jacques. Jacques Farnoux? Jacques, votre amant? Oui, c'est mon enveloppe. C'est mon argent. C'est l'argent de Marcel. Que Jacques vous a donné. Vous pouvez la prendre. L'enveloppe est vide. L'argent n'est plus. Quelqu'un savait. Jacques, vous me l'avez pourri. Avec votre air de femme bien tranquille, sans peur du lendemain, la vie tranquille. On peut tous dire maintenant, hein? Oui, je suis une bourgeoise ratée, comme vous, une putain ratée. J'ai envie de vous crever les yeux et de vous étrangler, pourquoi est-ce que je m'en prie? Au secours! Allez-y, tirez.
secondes. Un peu de cran. Tirez. Supprimez-moi, comme vous avez supprimé tous les autres, ceux qui vous gênaient. Vous n'avez rien ? Non, rien. Vous ? Rien. On a échappé belle. Dieu nous a épargnés. Nous méritons bien son indulgence. Peut-être que si. Il voit les choses d'en haut. Et nous ne devons pas être jolis à voir. Qui a tiré un coup de revolver ? C'est un accident. Et l'échelle ? Personne n'a pu sortir en utilisant l'échelle. Impossible de franchir le mur. Il est trop haut. Il y a de la neige, on risquerait de tomber de l'autre côté. J'ai manqué me faire mal. Mais faites quelque chose ! Il faut aller chercher la police ! La police, la police. Chat, tu n'en parles, mais on dirait que tout le monde a peur de l'avoir arrivé. L'assassin doit bien venir. Et s'il n'y avait pas d'assassin parmi nous ? Oh, quoi ? Si l'assassin n'était pas l'une de nous sept, y avez-vous pensé ? Et si l'assassin de papa n'était pas ici ? Mais personne n'a pu entrer ni sortir. Si l'assassin de papa, c'était... Si c'était Chanel. Chanel. Mais alors qui aurait tiré sur elle? Personne. Elle-même. Imaginez la scène. Nous, nous nous sommes toutes dispersées. Elle revient, voit qu'elle est seule. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Elle a volé le revolver de papa, alors elle tire en l'air. Pop! Elle cache le pétard dans le sac de tempérette qui se trouve là, puis elle se couche par terre, faisant la morte. Elle n'a plus qu'à attendre qu'on égorge. Mais tu es complètement folle. C'est encore un roman que tu as lu, sans doute. Écoutez, elle se lève, ouvre la porte, marche doucement dans le couloir. Elle va nous apparaître histoire de nous faire mourir de peur. Regardez la porte. As-tu fini, petite folle? Avez-vous une meilleure solution à nous proposer? Non. Nous sommes là enfermés comme des fauves. Seulement. Catherine, est-ce qu'il y a encore dans la haie, vers le ruisseau, un passage que les chiens ont défait? Il doit y être encore. Je vais aller voir. Je vais essayer de passer, maman. Oh, si elle arrive à sortir, nous sommes sauvés. Mais voudra-t-elle sortir? Je me méfie des initiatives de chacune à présent. Je la surveille de loin. Ne bougez pas, je me déguise en moi. Catherine ne va pas dans le parc, il fait noir. Où vas-tu, Catherine? Reviens! Je vais m'enfermer dans la cuisine. Je vais la suivre, je l'espionne! C'est elle! C'est Augustine, voyons! Oh, c'est la débâcle! La panique! Je vais me mettre toute seule ici, sinon je vais rester avec moi. Mais vous croyez que... Mieux vaut ne pas séparer. Oh, à moins que ce ne soit vous qui... Oh. Vous avez peur de moi? Oh, bah, vous avez un air suspect! Enfin, c'est plutôt rassurant. Ce que dit Catherine, en tout cas. Elle est effrayante, Catherine. Oh oui. C'est elle qui finira par découvrir les enfants. Vous verrez. Je sais, je sais. Vous n'avez pas vu Catherine? Elle vient de passer devant comme une flèche. Elle crie qu'elle a fait une découverte sensationnelle. Mais bon, elle est tellement menteuse. Mais quelle découverte? Elle crie qu'elle sait qui est l'assassin. Quoi? Ah bah oui. Mais vous êtes toute inconsciente. Cette gosse est idiote. Oh. Je suis le même sort que Madame Chanel. Oh. Laissez-moi m'en occuper. Oh mon Dieu, mon Dieu! Essaye de la trouver. Et je sens qu'il va y avoir un autre malheur. Oh ma petite Catherine! Oh. Ah! Voleuse. Profite de tes derniers instants de liberté. Catherine a trouvé le nom de l'assassin. Tu vas passer le reste de tes jours en prison. Tu ne reverras jamais ton amant. N'oublie pas que j'écoute aux portes. Rends-moi l'argent de l'enveloppe. Quelle enveloppe? Sale voleuse. Tu me détestes. Tu me fais payer ta vie ratée. Assassin! Mais vous n'avez pas vu Catherine! Mais qu'est-ce que vous avez encore? Et vous vous disputiez!
qu'on est fille, mais on est capable de tout. Écoutez, il faut avouer qu'il y a dans le meurtre de Marcel une chose qui est flagrante. Pourquoi ce meurtre abominable avec ce couteau? On aurait pu empoisonner Marcel bien tranquillement, sans danger. Le meurtrier aurait pu préméditer un acte, mais non, il a agi rapidement. Ce qui veut dire qu'il se trouvait là par hasard. Or, toutes, nous approchons Marcel régulièrement. Toutes sauf Susan. Susan? Ce n'est pas possible. Une crise de rage contre son père? Tu ne veux tout même pas qu'il lui donne sa bénédiction. Non, mais pourquoi pas? Bon. Ce serait Susan, alors? Ma petite Susan? Croyez-vous réellement qu'elle va aller à la police? Bon, elle n'ira pas. Elle va nous dire n'importe quoi. Que, je ne sais pas, le passage des chiens est bouché. Et hop, voilà la piste fermée. Alors? Impossible de sortir. On a rebouché le passage des chiens avec des fils de fer barbelés. Ah non, non. Cette fille... C'est Susan, est-ce possible? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, la boîte de mort aura. Je l'ai trouvée dans son armoire. C'est toi qui l'as trouvée? Oui. Alors? Je te regarde. Tu n'as plus le visage qui m'était familier, c'est terrible. Il me semble que je viens de te perdre, toi aussi. Tu as bien failli me perdre, en effet. La prochaine fois, tape plus fort. Tu es un monstre. Mais puisque tu m'accuses, moi aussi, je vais dire ce que j'ai découvert. Accroché au fil de fer barbelé, j'ai trouvé un morceau d'étoffe. L'assassin, en fermant le passage des chiens, a laissé une pièce à conviction. La voici. C'est un morceau de ton pyjama, Catherine. Alors, que penses-tu de ma trouvaille? Elle vaut la mienne. Mais rassure-toi, la police va bientôt arriver. J'ai crié à une voiture sur la route d'alerter en gendarmerie, ils ne seront pas longs. De toute façon, à présent, les dés sont jetés. C'est l'une de nous deux. Oh, les chiens, les chiens. Ils ne sont pas morts. Les chiens sont vivants maintenant. Je te jure, folle. Oh, regardez. Mais enfin, pourquoi vous êtes-vous levé? C'est imprudent. Il fallait que je vienne. Il fallait que je parle. Eh bien, nous vous écoutons. C'est une drôle d'histoire. Catherine, ma petite fille, viens près de moi. Tu sais tout, Chanel, n'est-ce pas? Oui. Pourrions peut-être savoir ce que signifie ce mystère. Allez, Catherine. Alors, écoutez-moi. Un beau conte de Noël. Il était une fois un brave homme qui était entouré de 8 femmes. Il luttait, mais elles étaient les plus fortes. Hier soir, ce pauvre homme s'est couché, encore plus fatigué, plus ruiné, plus trompé que la veille. Et la ronde de ces 8 femmes a recommencé. Et sa fille, Catherine, cachée derrière la porte, a tout vu et tout entendu. Et voici ce qui se passe. À 10h, premier tableau. Sa belle-mère, qui l'a recueillie chez lui, lui refuse ses titres. Une générosité peut sauver cet homme, mais la vieille est avare. Deuxième tableau. À 10h30, Augustine, la vipère de service, vient faire sa cour et baver les derniers potins. Tante n'a pas tué papa. Elle l'a écœuré, sans plus. Mais tout cela n'est
Pierrette. Elle vient traire la vache à lait. 500 000 francs. Bonne chasse. Mais les billets ne vont pas loin. Mais ceci est une autre histoire. Enfin, pour couronner le tout, Susan, sa fille, clandestinement arrivée de Londres, lui confie qu'elle est enceinte. Sur ce, bonne nuit. Qui papa reçoit-il ensuite? That is the question. Vous m'écoutez? Vous ne faites plus que ça maintenant. Pour vous, c'est terminé. Il ne reste plus que moi. Tais-toi, tais-toi. Pauvre papa. Je l'ai retrouvé à 6 heures ce matin. Il pleurait. C'est terrible un papa qui pleure. Vous n'en avez jamais vu? Son nez avec une grosse larme au bout. Il m'a dit, tu es une gentille petite fille. Tu lis trop et tu ne te laves pas les mains. Mais je n'ai plus que toi au monde. J'ai juré de faire son bonheur à tout prix. Il pleurait toujours et il a dit, comme on doit être bien quand on est mort. Alors j'ai eu pitié, pitié, pitié. Ses grands yeux ouverts, tout rond, tout mouillé. Alors j'ai eu une idée. L'idée de le libérer. Tu ne veux pas dire que c'est toi qui aurais... Qui aurais tué papa? Qui parle de tuer? Papa n'a jamais été mort. Il est vivant, derrière sa porte. Ah non, papy, ne pleure plus. Les dames de la famille n'en valent pas la peine. Écoute, je vais organiser une représentation à ton bénéfice. Dis, est-ce que tu as vu jouer le malade imaginaire? Non? Eh bien, dans le malade imaginaire, le type fait le mort pour savoir ce que pense sa femme, sa fille et toute la maison. Alors regarde, je colle ce coupe-papier genre poignard dans le dos de ton pyjama et je renverse de l'encre rouge partout. Pauvre papa. Il m'a d'abord regardé d'un drôle d'air, comme s'il faisait ma connaissance. Puis il s'est mis à rire. Mais à rire! Ça lui a fait du bien de rire. Je lui ai dit, elles vont crever de peur toutes, je le jure. Alors j'ai monté contre vous une énorme comédie macabre. J'ai téléphoné à Pierrette, coupé les fils du téléphone, endormi les chiens, détraqué la voiture. Voler les 500 000 francs de maman et le revolver. J'ai subtilisé la clé de la chambre de papa pour qu'on lui fiche la paix. Bref, j'ai tout réglé. Tout prévu. Même un attentat contre moi. Et vous avez marché. Il n'y a que Chanel qui, soudain, a eu un soupçon. Tu as vu papa derrière sa fenêtre, hein, c'est ça? Excuse-moi, Chanel. J'ai dû te faire peur. Mais il fallait que tu te taises. Que j'aille jusqu'au bout. Il fallait que toutes les vérités éclatent. La maison ne fait pas le détail.